c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille à Magné pour l'inauguration de la 27e édition du Festival de peinture et je vous remercie de votre présence. Vous n'avez plus qu'à signer, c'est bon. Hein. C'est pas mal déjà. Hein. Il y a Soulage, il a réussi comme mais ça. J'aime beaucoup mon fond. J'ai peur de le gâcher. Voilà. T'as eu le dessin déjà. Ouais. Ah oui, le petit dessin quand même. Pour ça. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Entre 250 et 300 peintres présents chaque année, dont certains reviennent depuis plusieurs années. Entre 12 et 15 000 visiteurs chaque année, soit 4 à 5 fois la population de la commune en 2 jours. Plus de 5 000 tableaux réalisés depuis 26 ans. Merci Claude et toute l'équipe de Magné Animation pour nous mitonner chaque année cette recette, mélange subtil d'art, de talent et de convivialité. Les invités d'honneur que vous retrouverez, comme tous les ans, au Four Ponté, avec Sylvie Duplessis, qui est notre invité d'honneur sculpteur, Yang Man Kwan, qui est notre invité d'honneur peintre. Je vous invite à aller voir cette très très belle exposition. Vous êtes allé voir, mesdemoiselles, l'exposition de nos invités d'honneur? Bien, je crois que ça y est. Je crois que les jardins sont ouverts. Donc allez-y, ne touchez pas, vous ne musculez pas. Le festival s'est très bien passé et en plus il y avait de la qualité, de la très grande qualité, disons, dans les œuvres qui ont été présentées. Je voudrais parler de Claude Dantou. Claude Dantou qui a été, disons, le précurseur, si on peut dire, du Festival de peinture de Magné avec Jean Thébault. Il nous a beaucoup aidé. Dans le temps, il m'a fait découvrir des artistes comme Robert Ziba et comme Jean-Marie Zaki, qui est toujours avec nous. Toujours aussi ravi, effectivement, d'être présent. Cette année, donc, de très bons invités d'honneur. On me l'a dit un petit peu et j'ai vu un petit peu les échos du Four Ponté. Par contre, au niveau des festivaliers, ils sont la majorité, c'est eux qui font le festival. Et j'ai été très heureux de rencontrer des gens de plus en plus jeunes qui exposaient pour la première fois. Vous allez voir, et monsieur le maire l'a dit, effectivement, le niveau est très élevé. Et vous allez voir vraiment, je pense, de très très belles toiles.
Ça fait une dizaine d'années que je viens, c'est la première fois que je suis primé et je suis très heureux. Merci beaucoup. Voilà, j'ai eu un coup de foudre pour celui-ci. Et je pense que là aussi, il ira rejoindre tous les autres que j'ai depuis une dizaine d'années. Donc j'espère continuer longtemps encore ce partenariat, c'est tellement agréable ici. Voilà, et merci encore pour vous. Pour une première, oui, à Magné, j'avoue que c'est assez impressionnant et dans le bon sens du terme. Félicitations, merci à vous. Oui, je suis d'autant plus ravie que c'est une picto-charentaise, donc il y a fait ce très beau pastel. Et puis grâce au professionnalisme de mon jury, je suis très très heureuse au nom de tous les élus de la région. Donc je le répète, c'est exposé à la région, ça sera au vu de tous les visiteurs et nous y tenons. Et puis je rajoute, je m'occupe du droit des femmes, alors je suis d'autant plus contente de récompenser une femme. Alors je dois dire quand même que n'étant pas un connaisseur, je me suis fait un petit peu aider, j'ai pris un peu l'avis des éminents membres du jury qui m'accompagnaient, qui eux sont des professionnels et qui m'ont confirmé dans l'idée que c'était un bon choix. Ouais. Voilà. Merci, merci à vous.